librairie Grenouille à Langeac, avec différents espaces, quelques 6000 livres pour vous, des jeux, des toutes sortes de cadeaux de dernière minute aussi. Là, on a un espace de romans avec tous les derniers prix, des romans plus locaux, des romans du terroir. On peut aussi passer sur de la SF, du policier. Vous avez aussi des beaux livres avec Les Cuisines du Monde, avec Jim Harrison, avec Les Fleurs du Mal, et j'en passe. On s'arrête aussi devant l'espace avec les livres de poche, donc des livres pour tout le monde, pour aussi tous les univers. Si un livre n'est pas disponible, on peut le commander ? Alors, bien sûr, on peut commander un livre. Grosso modo, sous une semaine, on a un livre chez n'importe quel éditeur. Et il ne faut surtout pas hésiter à demander. Même celui que vous pensez qu'on ne pourra pas avoir, en principe, on y arrive. Merci. Ici, on a le rayon poésie et manga adulte. Là, on a toute une sélection de bandes dessinées et de romans graphiques. Un petit espace de revues et magazines. Et après, on passe à l'espace jeunesse et jeux de société. Donc là, on a de plus en plus de jeux de société. Il y a des jeux d'ambiance, des jeux de stratégie, des jeux pour enfants, des jeux pour adultes. On a vraiment pour tous les goûts. Et là, on a toutes les tranches d'âge de littérature jeunesse, donc de tout en carton, des albums pour enfants avec les premiers romans, les romans ados, jeunes adultes, et une superbe étagère de mangas, très important les mangas. On a encore une sélection de petits jeux Gigami avec des petites boîtes petit budget pour des jeux rapides à partir de 6 ans. Et on a aussi l'espace papeterie avec plusieurs photos et 4 postales d'artistes du coin. Donc Isabelle Nodin, Arnaud Deschmaker et Gérard Gardex. J'ai vu qu'on peut retrouver aussi sur le comptoir différents albums. On a quelques CD en dépouvance. Là, on a notamment La Roulotte Kumchak et Tournesol, qui sont deux groupes du coin. Et pour le paiement, alors. Et n'oubliez pas, à Grenouille, on prend aussi le pass région, le pass culture et l'échec culture. Et merci bien.